Bonjour à tous, ici Técamon en compagnie de Nice, nous sommes dans notre Let's Play. Moi jouant les Anglais en Amérique du Sud, c'est la galère, et Nice qui joue Catherine de Russie. Peinard, vraiment peinard entre deux mers, voilà. Salut Nice. Voilà, salut, tranquille de mon côté. Voilà, bon bah on est parti, hein. Épisode 5. Pour une fois une intro pas ratée, oui. Oui, et peut-être avec des voix magnifiques au micro. Ah j'espère. On remercie nos sponsors officieux. Espère. Bon alors, je suis dans l'optique en recherche dans 9 tours. Je vois que je fais faire une ville dans le nord de ma capitale. Et j'ai moi, équitation dans 10 tours. Hein. Ouais. Je suis prêt à me développer. Un peu sur la gauche. Ah oui, je vois, je me rappelle pas, mais tu construisais en fait une merveille, là, cette... la grande bibliothèque, ok. Ah oui, c'est vrai. En soldat, t'es bon. Et t'es en guerre avec les Aztèques. Oui, voilà. Les Aztèques qui sont cachés, oui, en Europe du Nord, là, en Suède... dans le caca. Non, ouais, peut-être. Bon bah c'est bien, bah écoute, moi je peux rien faire de plus, je passe mon tour. D'accord. Moi non plus. Et je vais regarder... bientôt il y aura une doctrine, il faudra que je vois ce que je fais, ok. Stockholm est attaqué. Je sais pas. Ah oui. Je suis copain avec Rio de Janeiro. Tu sais comment on devient copain avec les cités-états? Ah pas du tout. En général quand tu cliques sur une ville, déjà tu peux... regarder ce qu'il te propose en besoin. Là, je regarde un peu. Ah, on peut juste faire de l'or et unité. Ah oui, c'est moins compliqué que les évolués. Les évolués, on a des quêtes. Excuse-moi, je n'ai rien dit. C'est dans God and King après que ça se développe. Voilà, okay. J'ai un bonus. J'ai mon archer que je vais améliorer, ok, en dégâts. Et je continue d'attaquer le barbare. En bonheur, je suis en 14. Donc il faudrait que je fasse une autre ville, encore une quatrième, je pense. Ouais, je pense que Londres va se taper une ville. Si tu fais une merveille qu'on est en équipe, je vais profiter de toi. Allez. Ah oui, ok. On va mettre le couloir là. On verra, hein. En tout cas, c'est cool de se retrouver. Ouais, ça, carrément. Ah, Stockholm, c'est une ville qui est près de l'Egypte. Oui, elle est pas loin de chez moi. Voilà, parce qu'elle va... par exemple, tu remarques un truc à côté de Moscou avant de faire quoi que ce soit? Il y a un colon rouge, c'est sûrement pas un colon, un ouvrier qui a dû être... Oui, il vient de le prendre, ouais. Ah, il vient de te le prendre, il y a quelqu'un qui est dessus? Et je les ai tués juste après. Donc il faudrait que ton lancier ou ton archer se déplace dessus. Faut que tu... mais là, j'arrive pas à les bouger là. J'ai dû faire un bug, je sais pas. L'archer de Moscou. Ah, tu es bloqué. Ah. Je ne sélectionne aucune unité, je dois avoir un bug. C'est vrai. Bah alors, petite ellipse, je coupe l'enregistrement. Et re, Nice, tu es toujours là? Oui, je suis toujours là, c'est bon. Ah, on va rigoler au montage. Ouais, voilà. Alors, est-ce que... non, tu pouvais pas te lancer. Et ton archer, est-ce qu'il peut... ouais, non, non, trop loin. Tu es sûr? Passe pas, bah oui. Ouais, bah les montagnes. Ah ouais, et en passant sur les lanciers pour aller dessus, bon bah tu vas récupérer après. Alors, d'ailleurs, il y a les Aztèques qui sont juste en dessous, j'aime pas trop. D'accord. Bon, moi, qu'est-ce que je peux faire? En bonheur 14, je vais faire de la banane près de York, ok. C'est vrai que côté unité militaire, moi, c'est pas terrible. Bon, bah, tour suivant. C'est parti. Ok. Merci, je peux pas faire un truc et... Alors, je fais un grand bonjour à un de nos abonnés qui nous a fait un grand coucou pour voir la suite. Bah, ça y est, on y est, mon grand. Ça va venir. Donc, j'ai oublié le nom, il m'excusera, je mettrai en commentaire. Ok. Merci à lui. Voilà. C'est catastrophique de pas se souvenir des noms de nos abonnés. C'est une honte. Bon, si je sais pas quoi dire déjà là maintenant, ça va être dur plus tard. Hein. Alors, je vois qu'il y a les Aztèques qui sont au sud de Moscou, hein, mon gars. Oui, t'as vu? T'es lancé, c'est déjà. Bien là où ils sont en fait. Comment c'est qu'il est arrivé là, lui? T'as des troupes, t'as pas mal de choses. Ah, si c'est bon, j'ai récapturé mon ouvrier. Je vais te donner un conseil. C'est oui. Faire un colon, soit le fabriquer avec une de tes villes, soit en doctrine. T'es comment en doctrine? En doctrine, alors je en regarde liberté, ça. En liberté, est-ce que t'as fait le pouvoir collectif, le pinceau ou la flamme là? Oui, je l'ai fait. Donc t'as déjà eu ton colon. Ouais, donc t'as pas le choix, en fabriquer un toi-même. J'en ai deux à Saint-Pétersbourg. Et deux à Moscou. Il m'en faudra un autre. Je parle de fabriquer des colons. Oui, j'ai des colons, ouais. Parce que je vois pas ça en liste de travail pour l'instant. Ah, tu l'as peut-être fait en liste de travail, il y a plusieurs choses à faire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Attends. Mais qu'est-ce que tu veux dire, ouais? Il faudra que tu fabriques un colon. Tu fabriques une merveille à Moscou. En ce moment, et il y a un aqueduc à Saint-Pétersbourg, pas un colon.
Ah ah. Pour faire sa troisième ville, tu verras après. Ah oui, un colon. Voilà. Oui, mais j'avais pas compris. Je voyais bien. C'est pas grave. Le gros malentendu. Bon, allez, quand tu veux, mon grand, je t'attends. Oui. Mais il faut que je dise à toutes mes unités qu'il faut qu'elles fassent rien. Voilà, c'est bien. C'est un bon programme, on dirait le parti politique en France à chaque année. Rien faire. Voilà. C'est beau, hein. Ça, on fait rien depuis. Ouf. Dit, chichi, c'est faux, mais depuis moins 30 ans. Encore un campement. Alors, normalement, je vais gagner un archer pour Londres. Bon. Ah, les Aztèques, ils sont en ville chez moi. Ils ont débarqué. Ouais. Tu vas pouvoir les bombarder et charger après. Ah, je les tue direct. Je peux vraiment? Tu as réussi avec la ville et puis ton archer? Bah, si je veux, là, je peux les attaquer tous. Oui, vas-y, avant d'envoyer tes phalanges. La ville te défend. C'est parti. Ouais. Hop. Alors, je vais donner une astuce aussi. Ta prochaine doctrine, c'est de taper encore plus fort avec tes villes. Bon bah ils sont morts. En tradition, de la doctrine tradition, si tu développes l'oligarchie. Je l'ai. Tu l'as? Ah bah tu tapes plus fort et en plus ça coûte pas gratuit les unités militaires en ville, en garnison. Ah oui, c'est pour ça que je les one-shot. C'est pour ça, j'ai dû te le conseiller déjà avant. Bon okay, bah ils sont morts. Bon. C'est bon, ça c'est bien. Est-ce que je fais Stone Age? Ma question c'est ça. Sachant que je suis dans la jungle, bibliothèque. Je vais être fou, je vais encore faire. Ah, j'hésite entre faire une merveille ou un colon. Bah, je vais faire un colon. Il faut vraiment que je m'en sorte pour l'instant. Je vois que je peux faire une mission qui me donnera deux de teinture et un d'or. Est-ce que c'est worth? Deux de teinture et un d'or? C'est-à-dire avec. Bah, je faut juste que je casse un campement barbare. Qui embête une ville là. Ah, bah oui, alors vas-y, oui. Ok. Du coup, j'enverrai quoi, mes phalanges? Ouais. Oui, oui. Ok. Tu reposeras doucement un peu à côté du camp s'il faut, et puis. Alors là, est-ce que je peux poser? Ah bah non, je pouvais pas. Je perds un tour, j'aurais dû bombarder avant. Et mes colons près de York, eh ben, vont faire un camp de bananes, ce sera plus ça en nourriture. Bon, côté bonheur, on est bien. En fait, j'ai trois villes. Hein. Ah ah. T'en as trois, toi. J'ai fondé Nottingham. On va faire un monument historique, pareil, pour se développer. Alors, moi, je fais une deuxième plantation de vin. Ok. Et je suis fou, parce qu'à Londres, j'ai pas de défense, pour l'instant. J'envoie mes archers à Nottingham. Ouais, il faudra que j'améliore Londres, au moins un rempart, et puis une défense. Ok, c'est mon tour suivant. Oui, alors on peut se faire ce délire, parce que je me développe un peu de magie, et puis on se retrouve en Afrique, quoi, ou en Europe, comme tu veux. Ouais. On peut faire ouais comme un rassemblement. Parce que moi, je peux coloniser tout doucement l'Europe, et puis toi l'Afrique du Nord, ou vice-versa, et puis on se retrouve pour taper les Aztèques. Ouais, c'est ça. Ça peut être un bon plan. Ça me va, du moment qu'on tape les Aztèques. Ouais. Oh. Alors, le camp, si je suis pas idiot, si je tape les guerriers, les archers vont aller dans le camp. Gagner un citoyen. Ah, c'est bien. T'as une ville qui se développe un peu plus. Ça, c'est bon. Alors, il est un peu bugué sur mon archer. C'est quand il veut. Putain, c'est vraiment curélé avec Rio de Janeiro. Ah oui, alors. Je ne sais plus, on est en contact avec qui? Les Japonais, tes voisins. Alors, il y a Babylone, je ne sais pas où ils sont. Napoléon, la Chine à côté de toi, était en guerre, et on est en guerre juste avant. Alors, Babylone, pourquoi? Oula, le chargement, j'ai demandé Babylone, je ne le vois pas. Retour. On a dit, le jeu est un peu buggé là. Je peux rien lui changer de toute façon, mais. Comment c'est que je ne le vois pas? Ah, tiens, il y a de l'or pas loin de ma position de mélancier, là. Ouais. Ça peut faire une ville en plus. Ouais, ça se passe bien. Bon, moi, je vais faire tour suivant. Excuse-moi, je t'en regardais un truc, c'est que je ne vois pas
Les ambassades, je ne vois pas le monarque en image. J'ai que le dialogue d'échange. Il y a un petit bug aujourd'hui. Passez mon tour. Bon, il y a de l'action aujourd'hui, j'ai fondé une ville. C'est bien. Hein. Ah, t'as fondé ta ville tout de suite là, du coup? J'ai fait Nottingham, bah, j'en prépare une quatrième. Toi, t'as... Ah oui, déjà. Alors là, tu es dans la péninsule Hittite, la Turquie actuelle. Là, tu peux peut-être faire une belle ville aussi. Là où il y a mes lanciers? Ouais. Ouais, j'aime bien avec le marbre et l'or. Et je sais plus, j'ai oublié, hein, mais dans les lectures. Il y a... Je crois que c'est entre la Turquie et la Grèce, là où il y a la forêt. Ça doit être ça qu'on appelle le pont hellénistique. Je ne sais plus. Ouh, tu me demandes des choses poussées, là. Ouais, je suis désolé, ouais. Alors, je veux faire une doctrine. Si tu veux, en géographie, moi, je peux te dire où sont les continents, c'est déjà pas mal. Tradition... Ville nationale reliée à la capitale, bonheur plus simple, contre moins 5, grâce au de l'Union occupée. Peut taper plus fort aussi en militaire, bon ouais. Je sais qu'il faudra que je développe tradition de toute façon. Le piété. Sachant que la religion au niveau simple de situation ne sert à rien. Bon, je vais faire comme toi, je vais développer oligarchie quand même. Quoique, méritocratie. Allez, représentation en liberté. Les doctrines moins chères et je déclenche un âge du bonheur, un âge d'or. Hop. C'est vrai que je suis pas de voisin, je suis pas embêté, donc je démarre peinard pour l'instant. Ah ouais, tu vas pouvoir te développer. Ouais. Bah c'est le but, hein. Faudrait que tu te développes un petit chouïa toi aussi. Édimbourg a un message. Allez, c'est querelle avec ces gars pour... J'ai 5 de bonheur. Si je prends le marbre, tout ça, je peux peut-être tester une autre ville, hein. On avait un accord commercial tous les deux. Tu m'avais passé de l'or à un moment et je t'en passais après, je crois. Ouais. T'avais donné quelque chose. Ça devait être ça. Il y a peut-être des logs pour savoir. Alors attends, est-ce que moi je vois... Ah, faut que je me réhabitue aux icônes, tu vois, je suis rouillé. Taille diplomatique. J'ai un peu ce qu'ont les autres civilisations. Donc toi, tu as une fourrure à échanger. Mais ils sont tous en développement, ils n'ont pas grand chose pour l'instant. Bon. Un grenier ou un rempart. Allez, tour suivant. Tu fais quoi déjà toi en science? Optique dans 5 tours. Ah, excuse-moi, je suis encore en train de... Là, ça va approcher de ma ville, Nottingham. Ok, tour suivant aussi, c'est bon. À l'âge d'or, là, je gagne 26 heures par tour, c'est bien. Ouais. C'est un petit boost, l'âge d'or, faut pas hésiter. Donc c'est la première fois, en fait, que je fais aussi tour en doctrine. En liberté, le choix de représentation, donc 33% moins cher les cultures. Je vais voir si justement ça coûte de moins en moins cher et j'aurai plus facilement des doctrines. J'ai jamais fait cette étude. D'accord. Je pense que c'est comme ça. Toutes les doctrines. Bah, payer moins cher, un tiers moins cher. En permanent. Plutôt que d'attendre bientôt quand on serait à Renaissance, ce serait par exemple doctrine à 3000 points, quoi. C'est de la folie. Ou 4000 points. Bon, bah, ça se développe autour de Moscou, là. Tu fais des mines. Ouais, ouais, bah, je suis en train de construire petit à petit. C'est marrant, je vois en attente de joueurs. On a bugué ou quoi tous les deux? Ah oui, pareil, attends. Ah non, c'est rendu au barbare. Voilà, je voyais pas la barre. Ah d'accord. Ça va être à nous. Bonne déclaration publique du Siam. Le Siam protège leurs envies. Ah d'accord. Siam protège Kuala Lumpur et Varsovie. Ok. Je suis toujours en train de taper sur le camp barbare, moi. D'ailleurs, les Aztèques, ils m'ont attaqué, mais là, ils ont plus rien fait après. Ouais. Donc, tu as le temps de défendre la zone tranquillement. Hein. Oh, en plus, t'as vu ce qu'il y a en Turquie, là, près de ta phalange? Près de ma phalange. Oui, t'as vu tout, des tout chevaux, ça avec l'or des et chevaux tout. Aussi.
Ouais. Oui, même, je prends l'équitation en plus. Eh, écoute, là où est ta phalange, pile. C'est vachement ici, bien. Ici, la ville. Ouais. En plus, sur une montagne, c'est mieux. C'est soit là, ou soit tu descends en dessous l'or. En dessous l'or. T'as une mine d'or à ta gauche et des chevaux à droite. Ah, j'aime bien où je suis, parce que comme ça, je peux faire des bateaux des deux côtés. Ouais, ouais. Sachant que si tu es là, tu pourras faire en Grèce, au sud de la Grèce, où il y a un camp, une autre ville, ouais. Non, c'est vachement bien, là. Ça protège ton territoire, en plus, si tu fais une ville, là. Du coup, j'aurais qu'une quatrième à faire, un peu, pour sécuriser des Aztèques, et ça sera bon. Ouais. Ouais, ils sont chiants, tes cités états abonnés, je m'en moque, vous êtes loin, c'est de ton côté. Eh ben... Ah tiens, c'est quoi ça? Des siamois, qui sont à côté de chez moi aussi. Alors je peux échanger une teinture et un épice en rabbin, d'accord. Moi j'ai quoi comme de luxe? Je dois avoir du vin... Quoi d'autre? Je vais mettre mon ouvrier en automatique. On va faire des bananes. Est-ce et que... du coup toi en marais ça va? T'arrives à te développer? Oui, finalement j'ai beaucoup de ressources. T'es combien en bonheur là? Moi je suis à 4. À 4, eh ben écoute, je vais donner un coup de pouce. Leur proposer. Tu l'acceptes ouais. Sans rien me donner en échange, tu l'acceptes. Mais je peux, tu veux pas genre des... J'ai des peaux ou je sais pas quoi. Non, des peaux. Tu en as que une peau, en fait, si tu me la donnes, tu changeras pas en bonheur. Là, tu vas monter d'accord. À 8, normalement. À 8? Ah oui, quand même. À 4 de bonheur par ressource. Oui, j'ai 8. Tu vois où est ta science là? T'as la fiole. Oui. Tu cliques dessus pour changer de menu. Oui, j'avais vu, mais je sais pas à quoi il sert. Alors, les ressources, c'est les deux poissons. Si tu cliques sur les deux poissons, tu vois tout ce que tu as comme ressources précieuses. Ouais, j'ai vu. J'ai teinture, un d'import, épices, un d'import et un d'export. Le chiffre à gauche, si tu n'en as que un, t'échanges pas, c'est pour toi. À partir de 2, tu peux échanger au moins un. Tu vois? Mais c'est quoi les ressources bonus? Les ressources bonus, bah, c'est par exemple de bonus nourriture comme la banane, le blé. C'est pas des bonus qui donnent du bonheur, c'est des bonus nourriture ou mignon. Et tu peux quand même les échanger avec des gens? Non, ça c'est pour toi. Okay. C'est des bonus un petit peu juste pour toi pour savoir comment tu vas. Par exemple, je regarde près de chez toi, est-ce que tu pourras avoir des bonus particuliers? Non, mais par contre, t'as du pinard à avoir. Marre que j'ai, c'est tout. Tu as une ferme blé, donc tu devrais pouvoir voir du blé en bonus secondaire. Ta fenêtre. Bon, au fait. Oui, c'est vrai. Peut-être que je passe mon tour, moi. Excuse-moi, on cause. Bon, et puis si t'as des idées pour faire une super bannière propre, pas trop. Hein. Je suis toujours pas content. Ah, bah. Tu veux quoi? Un truc dans les étoiles? Bon, avec civilisation, stratégie, tout ça, bah ouais, non, mais je sais pas. C'est pas évident, hein. Ouais, en plus, le bon format. Ouais. Alors là, on voit qu'on en est où? Ah, on voit pas les civilisations clignoter, on sait pas qui c'est, le tour. Bon, je sens que le jeu est buggé, si bien que quand on aura fini l'épisode 5, on va redémarrer civilisation. Oui, c'est vrai que là, c'est un peu buggé. Ouais, j'ai l'impression. On peut jouer, c'est déjà bien. Pour les auditeurs. Pas mal. Bon, j'ai appris plein de blagues au boulot, mais là je pourrais pas les dire, là c'est trop cracra. Ah d'accord, ouais. Je vois. Et je réfléchis, j'en avais pas une marrante, mais soft, donc je suis désolé. Alors, on va voir cette à nous, ouais. Ah, c'est barbare, ok. J'ai l'impression, ouais. Peut-être du roi à Moscou. J'entends les petits oiseaux dans la jungle, moi. Et chez toi, j'entends quoi? Les habitants de Moscou sont comblés par votre récente acquisition d'épices. Ils organisent pour vous une fête du roi. Ah oui, augmentant ainsi la production de nourriture de la ville. Ah. C'est bien. Carrément bien. C'est carrément top. C'est topissime. Topissimo. Bon, j'ai vu qu'il y aurait Kung Fu 3 qui va sortir au Cinoche. Je suis un peu grand quand même. Panda 3? Ouais. Oh là là. Tu l'as pas vu en bande-annonce sur YouTube? Ah non, j'ai pas vu. J'ai vu qu'il y avait aussi un... Comment on l'appelle, l'écureuil dans l'âge de glace, là? Un Scrat.
Ouais, je crois qu'il y aura un nouvel opus aussi. Bah ça j'ai vu, ouais. Et l'autre jour, j'ai regardé un vieux film, Ben-Hur. C'est un péplum romain. En Judée, un péplum Jésus, ouais, du temps de Jésus. Qui était sorti en 1964. Vachement bien, c'est l'arène en fait des courses de chevaux. Tout ça parce que Hollywood va ressortir Ben-Hur, relooké, refait au bout de nos jours. Ça sortira en septembre. J'ai vu la bande-annonce et c'est vrai que ça n'a pas l'air vilain du tout. Et du coup, tu t'es retapé l'ancien. Et oui, j'aime beaucoup aussi parce que c'est un peu de mon époque quand j'étais petit. C'est la dernière séance le mardi soir avec Eddie Mitchell. Ah ben. Attends, j'ai rien fait du coup, j'étais en train de t'écouter. Mais moi aussi, je passe mon tour. De toute façon, j'attends mon prochain colon, là je fais rien, je regarde un camp barbare. Bah, je crois que j'ai des ouvriers buggés. De toute façon, faut qu'on tienne, si tu arrives à être bon encore à peu près. Faudrait qu'on tienne encore 5 minutes. 5 minutes ça. Ouais, bah pas de problème. Si t'es vraiment buggé, on peut raccourcir l'épisode 5. Hein. On peut arrêter maintenant et refaire sa propre pour la suite. T'arrêtes l'épisode 5 maintenant, il sera rien passé. Ouais, je sais, allez, on attend un petit peu encore 10 minutes, courage. Pour un gros cliffhanger. Nouvelle déclaration publique de la Chine. Ah. La Chine protège Venise. D'accord, c'est comme ils veulent. En tout cas, cette partie, si ça te chauffe bien et que tu aimes bien, on pourra refaire d'autres séries plus tard. On pourra continuer. Hein. On peut augmenter la difficulté. Ouais. Oh mon dieu. Peut-être que tu auras des extensions avec le temps. Ah, c'est possible. Alors, j'ai rasé le camp. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ma troupe arrive à Nottingham. On va la défendre. Voilà. On est en quelle époque, en fait? 925 avant Jésus-Christ. Ben, c'est bien. C'est très très bien. 925 avant Jésus-Christ. On est toujours pas en zéro. Ah, on cause beaucoup. Ouais. Quand je regarde Londres, non, je me dis c'est superbe. Mais bon. Donc en Amérique du Sud, c'est là que j'ai exploré qu'un côté, j'étais bloqué avec des barbares, mais j'ai l'impression d'être seul. Je vais avoir le continent pour moi tout seul. Le sous-continent. Puisque le continent, c'est les Amériques. Tu vas bien t'amuser à tout coloniser. Bah, faut du bonheur, hein. Ouais. Ah bah ta merveille avance bien aussi. Oui, j'ai dans 6 tours là, je vais pouvoir faire mon colon. Ouais. Passe. Et c'est bon. On dirait bien. Hein. Alors sinon tu t'en sors pour ta série Let's Play sur Civilization? Ouais. Dernièrement bah, j'ai eu toutes les villes, j'en ai laissé qu'une seule. C'est que Babylone s'est réveillée, j'ai vu que c'était un gros empire au sud. Et à nous deux on a fini les dernières villes, sauf une. Parce que si tu prends la dernière ville, t'as un gros malus qui est belligérant. Et tu fais une fois, deux fois, et après tout le monde vote un embargo contre toi. À moins d'être très très riche, c'est dur quoi. Ah oui, du coup là, ça va, tu te fais pas écraser? Non, ça y est, je domine bien la région. Je sens que je vais bouffer les Aztèques bientôt aussi. Toujours les Aztèques en fait. Oui, voilà. J'ai mon colon, je pourrais faire une quatrième ville. Je pensais la faire sur la côte. La Chine qui est déjà plus avec Venise. Bon, ok. Alors, Varsovie réclame. Ah, Varsovie m'offre un d'argent, un de marbre, un de sucre pour que j'aide. Bah écoute, hein, crache pas dessus. Ouais, bah faut que j'envoie encore des troupes. Moi je vais faire une bibliothèque. Oh oui. On va développer. Prochain tour, j'ai bonne nouvelle, l'optique. Hein. C'est-à-dire qu'on va gagner, okay, un phare. Le phare te donnera plus de nourriture sur les cases d'eau. Ah ouais. Et permet aux unités terrestres d'embarquer pour traverser les cases. Ah, on va pouvoir traverser les mers et océans. Ok. Du coup, pour envoyer mes troupes, les aider, tu penses que laisser deux archers à Saint-Pétersbourg, ça suffit? Largement. Okay. Tu veux faire quoi, du coup, là? Bah, mes guerriers, je vais les envoyer très très loin à un camp barbare qui est un peu à droite de Venise. Punaise. C'est où ça, Venise? Ah oui, ça va. Et ton lancier, okay, est pas resté près de Moscou, du coup? Ah oui, t'es parti là-bas taper, d'accord. Oui, il va taper les barbares, là. Ouais. Excuse-moi. Oui, bah oui, oui. Ton archer, à la limite, rapproche-le de Saint-Pétersbourg, on sait jamais. Bon, t'es pas trop embêté, hein, c'est bien.
Ça va en fait. Les Aztèques ils sont venus m'attaquer, je les ai tués, bon c'est bon. Ouais. Ah, il a encore déclaré la guerre à quelqu'un d'autre. Aux Chinois, tiens. Ah bah, c'est un personnage très très agressif. Hein. Ouais. Bon, bah, apparemment ça l'aide pas. Je vais dire bonjour à la Chine, que je ne vois toujours pas. Ouais, on est vraiment bugué. Hein. Alors, si je t'offre de la teinture, est-ce que tu m'offres, par exemple, du coton? Totalement inacceptable. Oh. Au revoir. Mais c'est peut-être en multijoueur, ça. Je m'inquiète pas pour rien. Bah, ouais, peut-être que t'as encore le brouillard de guerre, c'est fait exprès. Je sais pas. Non, non, mais je pense à un bug graphique, pas d'atout. Ah ouais, je construis une bibliothèque, j'ai pas construit de défense. Ouf. Et du coup, moi aussi, j'ai eu équitation en même temps. C'est bien. Donc il faut à tout prix la ville là où on disait en Turquie. Ouais. Le marbre en bonus pour ta ville pour construire des merveilles. L'or c'est bon pour le monnaie et puis les chevaux quoi pour l'armée. On a découvert l'optique et l'équitation en même temps. Oui, en même temps. On la boussole 56 tours, on évite. Ouais, non. Le travail du fer pour les armées c'est top, toi qui es militaire. Je peux prendre la philosophie aussi. Ouais, parce que l'oracle ça donnera un bonus en doctrine à celui qui le fera. Les temples, c'est pas des. Bah, tu prends la philosophie. Écoute, je vais sans. En bonheur, tu te sens quand même, ça va? En bonheur, je suis à 8. À 8, oui, tu maintiens avec moi. Bah, écoute, je vais prendre les maths, moi, niveau militaire. 17 maths, tours. D'accord. Et après, il faudra de toute façon prendre la construction pour les colisées pour le bonheur. Allez, hop, mathématiques, j'ai pris. Ou philosophie ou travail du fer? Fais comme tu le sens. Si t'es très militaire, fais le travail du fer. T'as combien de tours, travail du fer? 16 tours. 15 philosophie. Vu que t'as un voisin agressif, je sais pas, t'es pas trop embêté, mais t'as le Japon, quoi. T'as la Chine. Le fer, t'auras un avantage militaire énorme. Mais c'est vrai. Bah, je vais faire ça. Oui, bah oui. Je vais pas être un méchant, mais bon. Je sens que t'es parti pour conquérir toute l'Asie, toute l'Europe. Là. On va m'appeler... Donc, comment s'appelle déjà la dirigeante? Mince. Catherine de Russie. Bah, nice de Russie. Oui, nice. Là où passe, l'herbe ne pousse plus. Ouais, c'est... Ah. Super. Alors, York. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais jeter un œil en Amérique du Sud autant que tu bouges tes troupes. Alors, hop. Tour, hop, eux ils attaquent. Ah, il faudrait chasser une ville par là. Là où il y a des moutons, un petit port. C'est parti. Ah, ils ont fait, tu vois, un barbare aussi. Ah, il faut que tu penses à reposer ton unité, hein. Ouais, c'est vrai qu'elle s'est pris bien dans les de la tronche. Oh, à la limite, tu le ramènes sur la montagne qu'on disait, elle se repose. Du coup, je suis ami avec Edimbourg, du coup. Ah bah, c'est bien, c'est bien. Et si tu veux pas perdre trop vite les barres d'amitié, il faudra que tu débloques le mécénat. Ok. Ça diminuera d'un quart la réputation, c'est très bien. Ouais. Bon. Moi, je sais pas. J'ai rien à faire à la tour suivante. Et du coup, comme ça, je pourrais échanger avec eux, ils ont des bonnes ressources. Ouais. Oui, quand je disais, je gagne pas les ressources tout de suite, hein, c'est eux qui les ont. Ouais. Bon, je pensais pas me développer aussi vite, finalement, je suis assez content. Mais parce que j'ai pas de voisin, quoi. Toi, t'es freiné déjà pas mal. Bon, Saint-Pétersbourg, la bonne nouvelle, tu vas finir ton moulin à eau, tu vas gagner de la nourriture et de la productivité. Ouais, la productivité, j'en ai beaucoup, je vois que ça. Ouais. Sachant que si tu développes un colon et que tu construis près d'une ressource comme le vin, moi ça pas d'autre bonheur. Celui qui va être construit en priorité, ce serait l'or et le marbre. T'aurais 8 points de bonheur avec ça. 4 points pour chaque. Oui, encore. T'as déjà découvert de l'or quelque part? Non, je vois pas, non. Donc ça vaut le coup, là. La troisième ville, c'est vraiment là où devrait être ta phalange à se reposer sur la colline. Et t'aurais 8 points de bonheur. Faut que je le renvoie. Donc tu pourrais faire ta quatrième ville après tranquille, au nord de Moscou ensuite. Bon, moi je vais essayer de découvrir un peu les terres pour qu'on se rejoigne. Ouais. Par contre, au sud de Moscou, là où les deux fleuves se retrouvent en mer arabique, je crois qu'on l'appelle comme ça, là. Oui, là où il y a deux petits fleuves. Le Tibre et le Frat, ouais. Et bah, ce serait bien là. Genre, ah, c'est vrai. Tu vois, à gauche, là où il y a l'oasis, entre le fleuve et l'oasis, sur le sable. Ah ouais, ok. Même si t'es le désert, c'est pas grave parce que t'as les bonus de champ de blé, t'as tout là. Et ça donne une ouverture sur le Pacifique après, l'océan Indien, le Pacifique.
Et comme ça, ça stoppera un peu Venise et Stockholm. Bah, eux vont pas t'embêter, hein. C'est des états, de toute façon. Oui, oui, tu serais vraiment bien placé là. Mais il faudra nettoyer le camp barbare aussi. Donc, ce serait une armée et puis un colon, quoi. Bien d'ailleurs, j'ai vu dans un let's play qu'au bout d'un moment, il y a carrément l'assemblée avec les pays et tout. Oui, oui, oui. Et ça, c'est avec mes extensions, je crois. Hein. Je sais plus du tout. Là, on va voir, on redécouvre. Faudra regarder les tarifs DLC là. Bon, je sais que Steam vend encore très cher le jeu 605, c'est pas normal. Oui, il le vend très cher. Dans le commerce, on trouve moitié moins cher, voire trois fois moins cher. En faire de placement de produits, je l'ai eu pas cher à Leclerc. Pareil, c'est ce que je disais. Alors. Oula. Je pense que ça va être notre dernier tour. Ah, j'ai une promotion d'unité qui arrive au bon moment. Si je veux, je peux soigner toutes mes unités ou alors juste lui donner quelque chose. En bonus, tu veux dire? Bah là, il y a Maël Dancier. Ils sont à genre 1 PV. Toi, je peux les soigner complètement ou alors leur donner un bonus et je fuis. Essaye de fuir sans te faire tuer par Atrium. Ah, c'est chaud. Ah, là, est-ce qu'elle a plus de portée que 2? Je pense qu'il peut te bombarder de partout. Donc régénère ton lancier, hélas. Là, je dirais qu'il faut régénérer. Ouais, ok. Tu vas le perdre, sinon ce serait dommage. Guérison immédiate, c'est parti. Voilà, et tu vas à la colline en défense. Hop, là c'était le plus loin. Voilà. On va terminer nos mouvements dans ce tour-ci, puis on va finir cet épisode. D'accord. 5. Bah, je lance un colon à Saint-Pétersbourg et. Voilà. Ou alors plutôt je lance à Moscou. Ouais, à Moscou. Oh, aux deux, tu pourras faire, hein, carrément. Ah oui, aux deux, bah, je prépare la ville d'à côté. Tes ouvriers vont aller directement en mine d'or et en carrière de marbre. Donc je regarde, c'est bon, j'ai rien de plus à faire de mon côté. Tu me dis dès que t'es prêt, puis on va arrêter là cet épisode 5. On va retrouver finalement, on va chauffer là, vous inquiétez pas. Oui, c'est ça. Bon ben, parfait. C'est vrai. Bon ben, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao.